C'est tout le monde de Chasse Street, c'est le Beastly. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo pour la série présentation de vos ressources pack. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Asian Pack qui a été fait par Asia Kill, il me semble, ou Asia Skill. On va aller voir ça tout de suite au cas où, comme ça, voilà, vous regardez. Asian Pack by Asia Kill, voilà, comme ça en même temps, vous voyez l'image. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Personnellement, ça peut aller. On va commencer tout simplement directement à présenter le pack. On va pas perdre de temps, j'ai pas grand chose à dire, donc let's go. Alors on commence avec les épées en bois qui sont comme ceci. Épée en pierre, épée en or, épée en fer et épée en diamant. Donc franchement les épées elles sont super, elles sont toutes petites et fines. Et j'aime bien les épées comme ça, bah c'est petites et fines pour PP, franchement ça passe super bien. Ça change un peu des grosses, genre moi j'ai toujours eu l'impression que quand je PP avec des petites épées, bah genre j'ai l'impression que je clique plus vite, enfin je sais pas comment dire. Ça te motive à cliquer vite et tout, enfin je sais pas, je trouve c'est super bien des petites épées fines pour PP. Après faut savoir alterner des fois entre des grosses. Mais voilà, donc pour des épées bah, petites et fines comme j'ai dit, franchement bah elles passent super bien, elles sont vraiment belles. Petites et fines comme vos bites d'ailleurs hein, au passage je vous fais une petite dédicace les abonnés, comme vos petites bites. Donc voilà aussi, ah oui il y a les soupes qui est comme ceci, les a édite un peu. Donc c'est plus un pack potion j'ai l'impression. Bon il peut largement jouer soupe mais c'est plus potion. Donc voilà quelques items, le briquet qui est vraiment stylé, l'underpearl c'est comme ça. Donc l'underpearl qui est bah qui existe déjà, c'est juste une reprise du je sais plus comment il s'appelle, c'est une des attaques spéciales de Naruto mais je sais plus exactement comment il s'appelle, bordel, putain, en plus je suis un grand fan de Naruto, la honte. Et du coup j'ai oublié comment ça s'appelait, enfin voilà, bref, mais en vert il l'a mis. Voilà les autres items, les outils c'est du faithful, il les a pas édit, les armures qui sont comme ceci, on va aller les voir directement quand on les porte. Tac, j'ai tout cassé. Alors l'épée, l'armure en diamant qui est comme ceci, voilà. Je sais plus ça vient du quel pack, donc les items d'armure c'est du faithful, comment c'est pas, une fois qu'on les porte sur nous je sais pas c'est quel pack ça. Ça me dit quelque chose, enfin c'est pas des armures qu'il a édite lui-même, mais je vois plus c'est de quel pack exactement. Enfin bref, c'est juste, c'est pas lui qui les a édites, elles sont bien, c'est des armures basiques. On va aller voir les particules, tout ça. Donc la water, l'eau qui est comme ceci, la lave comme cela, basique aussi la lave, enfin le feu je veux dire, stylé. Particules de potion. Donc maintenant les particules de coup critique qui est comme cela, particules de sharpness et le tout, voilà. Donc c'est des étoiles, donc c'est pas non plus un truc très très original mais ça passe toujours très bien. Les minerais qui sont comme ça, donc à peu près tous les blocs, c'est les items, la plupart c'est du faithful, donc voilà c'est banal, ça reste basique, ça reste bah bien quoi pour les packs. Pas besoin de faire des trucs de ouf. Ah, il a édité le champignon rouge qui à la base est rouge et il l'a mis en bleu. Ah non c'est pas tout du faithful là, par exemple le bois je vois que c'est pas du faithful, pareil pour les feuilles, tout ça ça dépend. Voilà pour ce qui est du biome un peu je sais plus comment il s'appelle, biome nique ta mère, le biome sable et biome désert, tout ça, et puis jungle. Comment ça s'appelle ce biome là déjà, je me rappelle plus, putain je suis con. Pas dit ta mère, je sais plus. Le panorama du jour qui est simple, qui est basique, et qui par contre, ouais, le panorama de la nuit qui est pas du tout basique. Il a fait un truc plutôt stylé, donc ce panorama là il existe déjà. Hein. Je pense pas que c'est lui qui l'a édité, il l'a repris donc avec une grosse planète verte, super stylé. La lune verte, ça rend vraiment super bien. Voilà. Et donc je crois que c'est tout pour la présentation. On va se retrouver pour les clips de ces, pour la web, pour les séquences PVP pour voir ce que ça donne. Une fois en jeu. Donc je fais plein de gros yeux de partout. Je vous souhaite un bon visionnage pour les séquences PVP. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Demain qui est une très grosse vidéo sa mère. Donc voilà, bisous bisous. Et on se retrouve demain.